Bonjour à tous, alors je suis à Action de Cervon, on est mercredi et vous savez que les mercredis c'est les promotions de la semaine. Alors il n'y en avait plus depuis un petit moment et là depuis ce matin ça reprend, donc on va aller voir ce qu'il y a en promotion. Je rappelle la semaine promotion, c'est des produits qui sont là de mercredi jusqu'à mardi soir prochain. Donc parfois il y a quelques nouveautés et parfois c'est des produits qu'on trouve en rayon. Je suis vraiment contente de pouvoir avoir ces promotions, le retour de ces promotions. Alors on a les coussins de chaise jardin, donc 1,20 m sur 50 sur 5,5 cm d'épaisseur. Donc il y a plusieurs motifs. On a les coussins matelas à 2,49 €, ils font 40 par 40, ils sont imperméables. Donc pour l'extérieur. On continue dans le jardin avec les nains de jardin à 3,87 €. Les pics de jardin papillon. Alors c'est ceux-là que j'ai, que vous voyez, que vous avez vu lors de mes lives. J'ai mis ça dans mes petites jardinières et c'est vraiment très joli. 1,55 €. Lampe de jardin LED torche 3,87 €. On a les tapis d'extérieur, mais pas que. Alors ils sont pratiques parce qu'on peut facilement les nettoyer. Ils sont en, je sais pas comment l'expliquer, une sorte de plastique. Hein. Ils font 1,20 m sur 1,80 m, 6,95 €. Il y a plusieurs coloris, il y a du bleu turquoise, du vert, du beige, il y a aussi du noir. Les sabots de jardin femmes, donc au niveau des pointures, c'est du 37 au 40, à 1,99 €. Alors on a un set de masques et tuba étanches, sans latex, avec des verres très résistants en polycarbonate, 4,59 €. On a de l'huile à l'ail, 1,69 €. Alors ça c'est très bon, vous pouvez mettre ça en salade ou cuisiner avec. Donc c'est une huile qui est parfumée à l'ail avec de l'ail au fond. Donc il y a 500 ml, donc pour un goût d'ail rapide sans presser. Toujours dans la cuisson, l'huile de noix de coco Be Pure à 2,49 €. Support d'ordinateur portable Maxter 5,88 €. Chers clients, pour votre santé et celle de nos collaborateurs, nous vous demandons. On a une pompe à vélo 5,95 €. Liquide vaisselle 59 centimes. On a du dégraissant, super dégraissant à 1,29 €. On a aussi bloc cuvette, donc lavande, citron, aqua power, 65 centimes. Crème de bain et douche Nivea, 2,69 €. Gel ou crème douche Nivea, 1,44 €. On a le déo spray Nivea, 1,44 € aussi. Déo Bi Nivea, 1,44 €. Donc on a plusieurs variantes. Gel à raser Gillette ou gel à raser Gillette Satin Kier 2,22 €. Tondeuse à cheveux code homme, s'utilise sans fil, rechargeable, pochette de transport inclus, 7,95 €. On a des rasoirs Gillette Blue simple, donc il y en a 4 avec 3 lames, simple 3, pardon. Rasoir avec 3 lames, 2,22 €. On a des lingettes démaquillantes à 59 centimes. On a des robes femmes à bretelles spaghetti avec cordon à la taille. Donc il y en a en bleu et en noir au niveau des tailles, ça va du S au XL. Donc 95% viscose et 5% d'élastane. 4,95 €. Bullet journal avec élastique et marque-page. Donc il y a plusieurs après modèles, motifs. Il est joli celui-là. Il est à 1,49 €. Donc avec élastique et marque-page en carton certifié, format A5, 120 feuilles, 1,49 €. L'éponge de bain, 57 centimes. On a une boîte de chewing-gum à 1,85 €. Donc on a la menthe forte et
de la menthe douce. Assortiment Haribo, 2,19€. On a les chamallows Haribo à 1,29€. Alors c'est des chamallows barbecue. Petite bouteille de coca. Alors non, les petites bouteilles de coca sont à 59 centimes l'unité. Donc il y a plusieurs goûts. Et en fait, le lot de 12 sera à 6,98€. Les pailles en papier, 29 centimes le lot de 16. C'est celle-ci. Et on a le lot de 40 à 65 centimes. Ensuite, on a le multispray sans silicone 2,99€ WD-40. Alors ça, dans les autres magasins de bricolage, c'est beaucoup plus cher. Moi, j'en ai un à la maison, je m'en sers de temps en temps. J'en mets un petit peu dans tous les, comment on appelle ça là, les portes, tous les gonds des portes. Parce que parfois, bon, ça commence un peu à être vieux, à grincer. Donc je dégraisse avec ça. Mais on peut en mettre sur les chaînes de vélo, sur les clés, etc. 2,99€. On a aussi la même chose, mais marque Bison. Donc là, c'est les 300 ml à 2,99€. Juste une petite chose, quand vous achetez un flacon comme ça de W40, vérifiez qu'il y a bien la paille. Parce que la paille, vous allez la mettre au bout sur la pompe là. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de bien mettre ça dans les serrures, etc. Donc n'oubliez pas de vérifier, parce que des fois, ça glisse. Et comme c'est juste maintenu par un scotch. Après, chez vous, vous aurez juste à la remettre ici sur le bouchon. Désodorisant pour voiture, 2,69€. Alors moi ici, la dernière fois, j'ai acheté un désodorisant que je vous ai montré en vidéo. C'est un petit arc de cercle. Si on a encore, je vais vous les remontrer dans la vidéo juste après. Et je trouve ça très bien, ça sent bon, c'est pas trop fort. J'ai mis ça autour du siège, là, de l'appui-tête du siège. Donc 2,69€. On a aussi cire et polissage pour voiture, 1,99€. On a pareil hein, du silicone spray, donc protège contre les intempéries, résiste à l'eau, 1,49€. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré, le W40, mais sauf que c'est une autre marque. Spray tableau de bord, donc pour nettoyer et faire briller son tableau de bord, donc réduit les dépôts de saleté, rend votre habitacle antistatique, dégage un parfum frais, 1,09€. Ensuite, on a le brillance des pneus techno, protège contre les intempéries, 400 ml, 1,49€. Alors ça, il ne me viendrait pas à l'idée de nettoyer mes pneus. Mais c'est vrai que, bon, en général, je nettoie l'intérieur, je nettoie un peu les vitres, mais je ne penserais pas à nettoyer mes pneus. À savoir qu'il y a un produit pour nettoyer ces pneus, 1,49€. Ensuite, on a un nettoyant textile, 1,99€. Donc c'est pas que pour la voiture du coup, puisqu'ils nous mettent ça dans le rayon voiture, mais je pense qu'on peut aussi peut-être nettoyer certains textiles. 1,99€ le spray. Alors, ensuite on a plein d'aérosols. Alors je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière j'ai acheté cette bombe. Alors j'ai bombé des miroirs, c'est des miroirs ronds, pas comment vous expliquer, ils les avaient sortis en doré et en noir. Je les ai achetés en doré, mais le doré ne me plaisait pas. Alors je les ai retints avec ce doré-là, mais il ne me plaît pas non plus. Moi, je cherche un doré assez clair. Mais sinon, c'est très bien pour refaire un petit peu si vous achetez un plateau qui ne vous plaît pas. Parfois, il y a des plateaux ici qui sont vraiment très beaux, mais au niveau du doré, je trouve que c'est pas terrible. Donc on peut repasser un coup de bombe, 2,19€. On a aussi l'effet diamant, 2,99€. On peut repeindre plein de choses, un contour de cadre, un meuble, enfin on peut vraiment customiser pas mal de choses. Après on a de la peinture en aérosol, donc on a du vert, du gris. Donc c'est de l'acrylique, 2,19€, 1,89€. On a un anti-rouille et primeur. 2,99€. Alors quand vous repeignez des choses, c'est vrai, pensez à mettre des imprimeurs, donc c'est ce que vous allez mettre avant votre peinture. Et un anti-rouille, bien sûr, si vous repeignez tout ce qui est métal, fer, etc.
2,99€. Et on a d'autres couleurs, hein. On a du rouge, du métallique, du noir, du blanc. Alors par contre, un petit conseil aussi, du bleu. Vraiment, si vous utilisez de la peinture en bombe, en aérosol comme ça, pensez à faire un petit essai juste avant, puisqu'en fin de compte, moi je pensais qu'avant, la bombe, c'était plus facile, mais pas du tout. Il faut vraiment avoir le coup de main, parce que si vous en mettez trop, bah, ça fait trop de gouttelettes là. Donc vraiment, testez sur un petit morceau de bois à côté ou sur quelque chose pour voir si vous avez le coup de main ou pas. Voilà, donc je suis vraiment contente de retrouver la semaine d'action. J'espère qu'il y a des petites choses qui vous intéressent. Alors pour ma part, je me suis pris de l'huile. Bon, c'est plus simple, voilà. J'ai pris l'huile, j'ai pris les robes, j'ai pris l'huile de coco, les pailles et les petits papillons. J'en ai repris deux parce que j'en ai, ce que je vous disais. Mais en fait, avec le temps, c'est un petit peu passé. Et puis comme j'ai mis plein de petits pots, bah, je vais en rajouter deux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.